accueilli par un simple comité lors de son arrivée dans la capitale émirati. Denis Sassou Nguesso s'est une fois de plus ridiculisé lors de ce sommet à la COP28 à Dubaï. Les personnalités internationales de pointe ont décliné toute invitation du dictateur congolais en marge du sommet. Le despote Denis Sassou Nguesso s'est contenté de s'agripper à quelques figures négligeables lors de cette COP à Dubaï. Un revers diplomatique, un camouflet pour celui qui a érigé la mendicité en une doctrine politique. Lors de la table ronde, Denis Sassou Nguesso a pris la parole dans une salle vide. Tout le monde ou presque n'avait pas jugé bon d'y assister. Une gifle, une humiliation pour le despote congolais. Nous vous mettons son passage à la tribune. Nous vous invitons à bien regarder la petite vidéo en duplex. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, gouvernement, heads of state and government, United Nations Secretary General, Monsieur le Président, President of COP28, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je voudrais adresser, I would like to address my sincere thanks to His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, for the warm welcome and hospitality shown to my delegation and to me myself. I wish to take this opportunity to reiterate the Republic of Congo's steadfast commitment and determination to play an active role in the global effort to combat climate change. Denis Sassou Nguesso n'a pas hésité de réitérer son escroquerie écologique des trois bassins du Congo. Une tromperie qui a choqué quelques personnes qui s'y trouvaient encore dans la salle. Denis Sassou Nguesso, connu à l'international pour des faits de grand banditisme, de corruption et de blanchiment de fonds publics, était seul avec sa délégation, contrairement à d'autres chefs d'État africains comme Macky Sall, qui était ovationné par les personnalités de premier plan international. Le voyage du despote congolais a été un véritable fiasco, un échec, un camouflet diplomatique pour celui qui a organisé un sommet des trois bassins du Congo. L'heure est au bilan et nous avons réussi notre pari. Dans les mois à venir, nous ferons notre possible pour rendre public un certain nombre de scandales impliquant la famille Sassou Nguesso ici en Occident. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Nous vous invitons vivement à visiter notre site internet jemainforme.tv.com. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon?